Hey, salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21. Alors, j'espère que l'épisode 20 vous a plu, j'ai eu de très bons retours. Donc, généralement, vous avez vraiment bien aimé. Donc voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir, hein. Donc voilà. Pour cet épisode, donc cet épisode va être un peu spécial. En fait, nous allons voir le déroulement en fait de l'event que j'ai fait sur mon île, hein, donc qui s'est passé donc dimanche dernier, hein, on était le 23, le 23 octobre, donc voilà. Je ferai peut-être une séance de rattrapage juste pour ceux qui n'étaient pas là, parce que bah voilà, il y a certains qui m'ont dit ah bah merde, t'as posté la vidéo et t'as déjà fait l'event, c'est dommage. J'avais spam le forum, hein, enfin pas le forum, mais j'avais spam, enfin voilà, je l'avais bien dit plusieurs fois, plusieurs jours, qu'il allait avoir un event, etc. Mais bon, je peux comprendre, hein, bon, après tout le monde n'a pas vu, donc voilà, je ferai peut-être une petite séance de rattrapage pour certains. Alors, autre chose que j'ai envie d'instaurer aussi dans mes vidéos, parce que je trouve l'idée très bonne, et ça a été repris par les plus grands, hein, donc je pense que c'est une très bonne idée. Vous me posez souvent des questions dans les commentaires, donc j'y réponds quasiment tout le temps. Mais maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que la question la plus pertinente, entre guillemets, ce que je ferai, c'est que j'y répondrai directement ici. Donc j'ai mis une petite boîte aux lettres, juste là-bas. Et comme ça, je répondrai à votre question. Alors, la question du jour, c'est une question de Quentin Inzelin. Je l'ai déjà cité, hein, parce que il m'a déjà aidé plusieurs fois sur certains petits trucs. Donc la question, c'est Balagique, pourquoi tu t'appelles Bazon IG? Alors, cette réponse, je vais y répondre en deux parties, c'est-à-dire que je vais répondre maintenant, très rapidement. Et j'y répondrai par la suite, parce que j'ai envie de vous faire une vidéo, peut-être pour la une vidéo des 250 abonnés, hein, c'est un quart de 1000, donc je trouve ça un beau chiffre, donc qu'on a atteint les 250 abonnés qui ont été atteints aujourd'hui, le jour où je tourne cette vidéo, le 26 octobre, non, le 25 octobre, pardon, on est mardi, mais il est plus de minuit, donc bon, bref. Donc voilà, alors pourquoi Bazon? En fait, alors déjà, pourquoi la chaîne s'appelle Bahageek et moi je m'appelle Bazon? Ça, j'en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo spéciale sans abonnés. Pourquoi Bahageek? Parce que voilà, donc mon pseudo à la base, c'est Bazon. En tant que personne, en tant que joueur, mon pseudo, c'est Bazon. Et en fait, Bazon, ça vient d'un manga qui s'appelle. Enfin, à la base, en fait, Bazon, avant, je m'appelais Bazon tout court. Donc Bason. Et c'est un personnage d'un manga qui s'appelle Shaman King, en fait. Donc c'est le fantôme d'un guerrier chinois qui date de 1500 ans. Enfin bon, voilà. Je vous expliquerai vraiment tout ce cheminant dans une vidéo, je pense, parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, voilà. C'est une histoire assez marrante et qui date de 20 ans à peu près. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai ce pseudo Bazon. Donc voilà, je vous l'expliquerai un peu plus en détail plus tard. Donc voilà pour la question. Donc pourquoi Bazon? En fait, Bazon, en fait, parce que voilà, mon pseudo c'est Bazon, c'est pour ça que dans les jeux je m'appelle Bazon, mais la chaîne s'appelle Bahageek. Parce que bah voilà, parce que fallait que je trouve un nom avec mon pseudo et j'aurais pu l'appeler Bazon aussi, hein, mais bon voilà, ça a été fait, c'est comme ça. Donc merci pour la question, Inzelin. Maintenant, alors ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer en fait. Alors, je sais pas encore si je vais tout vous montrer ou si je vais faire les meilleurs moments. La vidéo dure 40 minutes, je crois, à peu près, donc je pense que je vais vous mettre une bonne partie, mais je vais couper certains moments qui sont pas du tout intéressants. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo et surtout à faire cet event, hein. Surtout, en fait, la réaction avec les gens qui étaient sur TS, même si je les avais mute, en fait, je lisais ce qu'ils disaient. Et franchement, ouais, ça m'a bien fait marrer. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse en compagnie de la vidéo et on se redit à tout de suite. Voilà, c'est parti pour l'event. Alors, je les écris, hein, comme je vous ai dit. Donc, merci à ceux qui sont sur TS quand même. Donc, ouais, merci que ce soit à ceux qui sont sur TS quand même. J'ai oublié d'appuyer sur le push to talk, c'est con. Donc, c'est. Alors, j'écris tout. C'est grillé, coucou tout le monde. Attendez.
Les réponses en MP obligatoirement, je... Non mais c'est pas grave les sons, hein, c'est pas grave, je ferai sans. Donc ouais, obligatoirement en MP, comme ça, ça évite... ça... Attendez, parce que j'entends tout le monde qui est en train de bouffer, ça me perturbe le bruit. Ouais, en fait, ça évite de spam le chat pour ceux qui sont pas là. Et je vais commencer à les écrire. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Option. Voilà. Attendez, je... Ouais. Ouais, Ok, ok, d'accord, d'accord, c'est bon. c'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai enlevé le push to talk parce que sinon, en fait, je peux pas parler et écrire en même temps. Et pour la vidéo, c'est merdique, clairement. Par contre, je veux pas pouvoir tout lire à chaque fois. Si on est mute... Attends, si on est mute, les MP, on peut... Oui, non mais voilà, donc n'hésitez pas. Alors, je vais commencer le quiz. Donc, il y aura 10 questions. Je l'écris en même temps hein, pour ceux qui sont pas là. Ouais, ok, 10. Donc, ça se basera sur la chaîne. Sur la chaîne et sur... on dirait Lucrasseur, je dis quand je tape. Sur la chaîne et sur Minecraft. Les gains. Déjà, pour le premier... De toute façon, ça va être simple. Il y aura deux concours. Alors attendez, je l'écris en même temps parce que sinon... Attendez. Les gains. Première partie, ça sera 5 diamants... 5 blocs. Hein. 5 blocs, on s'en bat les couilles de ta chaîne. C'est très gentil de dire ça. Mais bah, je peux te dégager direct. Ouais, je vais te dégager direct. Ça sera plus marrant. Repartir de 5 diams. Alors 5 blocs de diams. De diams. Et 5 blocs d'émeraude. Hein, chacun. Donc ça veut dire la première partie il gagnera ça. Et la deuxième partie il gagnera ça aussi. Hein. Même si l'émeraude, hein, c'est pas forcément le mieux. Mais voilà. Même chose pour la deuxième partie. Comment est-ce possible? Je sais pas quoi. Alors attendez, je vire un mec parce que c'est un boulet. Et il va être en même temps mute. J'envoie ça à la tornade rouge. J'ai nommé Cobra Braise. Il est où? Ah, c'est pas ma faute, hein, là. Hein. Voilà. Ok, bon, alors c'est parti. Alors premier, donc ça concerne ma chaîne, d'accord? Donc je compte le premier qui répond en MP. Hein. Ah oui, attends. Oui, c'est vrai que si je dis pas si je dis pas la chaîne. Je sais pas s'il y a des helpers ici, non? Non, il n'y en a pas. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Première question. Putain, hé, sérieux, vous êtes balèze, hein. C'est bon, j'ai la réponse. Ah oui, d'accord, il avait préparé le truc, le gars. GG, Ben Leoski, hein. Ok, donc je note, hein, je sais qui a gagné pour après. Mais je reçois tous les MP, vous inquiétez pas. Vous êtes bien rapide, hein, franchement. Ah, c'est galère de faire sur les deux en même temps, c'est vrai que ça aurait été mieux tout le monde en audio sur TS, hein, mais bon. Mais bon. Deuxième question, vous êtes prêts? Alors, question numéro 2. Combien d'épisodes les 12 travaux Minecraft ont? Bon, c'est pareil. Alors, il y a 19, 15. Attendez, je sais même plus la réponse.
Oula, stop, stop, c'est bon, j'ai une réponse, j'ai une réponse. Viper qui a la réponse. Ouais, c'est Viper qui a la réponse. La réponse était 18. C'est les plus rapides, hein. Je sais qu'il y en a qui ont dit, mais. Mais ouais. Alors attendez, je note ça vite fait pour pas oublier. Après, pour vous départager, je sais pas du tout. Hein, on verra après. Hein, mais alors là, elle est un peu plus chiante, celle-là. Ça va être un peu plus. Ouais, mais non, mais vous allez répondre directement. Alors, je dis juste, hein, c'est le plus rapide qui gagne. Voilà. Alors, question 3. Combien de jeux différents sont passés sur la chaîne? Eh ben, y a déjà une bonne réponse. Et c'est Gros Bidou. GG Gros Bidou. Donc c'était 4. Hein. Il y a eu Minecraft, Hearthstone. Merde, c'est quoi les autres déjà? Faeria et Elder Scroll. The Elder Scroll. Légende, le jeu de cartes aussi. Donc c'est Gros Bidou. Ok, je marque gros bisous à chaque fois, comme d'habitude. Question numéro 4. Donc c'est encore une vidéo sur la chaîne. Alors là, par contre, vous allez galérer, je vous préviens. Non, Darkpo, c'est pas toi le premier. Hein. J'ai quand même, vous inquiétez pas, je vois. Hein, alors, question numéro 4. Donc ça va être un peu plus long, on verra bien. Attendez, j'ai fait des fautes d'orthographe partout. Hop! Combien faut-il de poudre de redstone pour construire l'afficheur 7 segments? Et là, oula, attendez, ça va être la merde. Faut que je lise tout. Ça va être du hasard, je suppose, hein, parce que tout le monde dit. Ah bah top! C'est bon. Il y en a un qui a répondu, c'est Uzix. GG. Uzix. Et je vais juste vérifier un truc, vite fait, hein, juste pour le fun. Combien de personnes ont été voir sur l'épisode? Je pense qu'il y en a zéro. Je vais juste regarder les stats vite fait. Il y en a pour 5 secondes. Ah, il y en a deux quand même. Il y en a quand même deux. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, mais après, en même temps, les gens, ils répondent directement. Donc la réponse, quand même, hein, la réponse. Franchement, il est super ce truc 7 segments. Il est super compact en plus. La réponse était 45. Maintenant, ça va être des questions sur. Ah non, c'est la dernière. Ah non, il y a encore deux questions sur la chaîne. Donc, question 5. Est-ce qui a répondu déjà? J'ai dit Uzix, oui. Faut que je le marque. Uzix. Alors. Question 5. Là, vous allez être obligé d'aller voir. C'est con, hein? Alors, quel jour ai-je sorti la vidéo spéciale sans abonnés? Non, Jojo, laisse tomber les 243 abonnés. Hein, je ne l'ai pas cette question. Non, mais il y a trois. Non, mais le jour exact, j'ai dit. Alors, oula, attendez, parce que là, faut que je lise tout. Ouh, GG, ça a été super rapide. C'est Anna Workis qui a gagné. Ouais, GG Anna Workis qui a gagné, c'était le 21 juillet. Donc, franchement, ça a été super rapide. Bravo. Alors, je note son nom vite fait. Si tout le monde a gagné, par contre, je n'offrirai pas à tout le monde. Hein. Je suis pas Crésus non plus. Hein. Workis. Alors, dernière. Là, c'est la dernière question sur la chaîne. Alors, je l'ai écrit, hein. Dernière question sur la chaîne. Après, c'est du pur Minecraft.
Question numéro 6. Combien la vidéo 1 du Skyblock a de likes? Ouais, c'est ça, 240, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Si seulement. Alors, attendez. Ah, il y a déjà une réponse. Qui a répondu en premier? Ah, oh, putain. Ouh, Viper encore. Ouh, GG. GG, Viper. La réponse était 41. Non, non, joli. Franchement, il y a 6 trous. Le deuxième, c'était 6 trous. Attendez. 6 drouilles, hein, qui avait vraiment quasiment répondu en même temps, mais. Non, mais maintenant, c'est 42, mais ça compte pas. Hein. Non, non. C'est au moment où. J'ai regardé juste avant de poser la question, donc ça marchera pas. Vous m'aurez pas. Ok, donc là, c'est Viper. Donc, ouais, s'il y a des ex-échos, hein, je donnerai aux deux, je pense. Mais pas plus. Alors maintenant, c'est du pur Minecraft, hein, d'accord? Il reste. 1, 2, 3, 4 questions, il n'y en a que 10. Hein. Et après, c'est parti pour le jump. Et bon courage pour le jump, hein. Je tiens à vous préciser. Alors, pour info, pour le jump, fly interdit. Je vous le dis là, mais je leur dirai. Par contre, il y a deux personnes qui vont fly. C'est Ange Mortalis et Cookie. Parce que en fait, ils font pas le jump, mais ils surveillent en même temps. Donc voilà. Alors, maintenant, question 7 sur Minecraft. Attention. Alors attendez, je vous laisse juste le temps d'ouvrir Wikipédia. Allez, 1, 2. Hop. De quelle nationalité est le compositeur des musiques de Minecraft? Attention. Et ça a été trouvé par Yveltal. GG. Yveltal. Alors donc, la nationalité du mec, hein, c'est un Allemand. Voilà, donc la réponse. La réponse, Allemand. Huitième question. Alors là, c'est très facile. Hein. Ça va se palmer très vite, donc préparez-vous. Et non, c'est pas le nombre d'abonnés. Alors c'est question, donc huitième, c'est question Minecraft, hein, toujours. Hein. Huitième question Minecraft. En quelle année Microsoft a acheté Mojang? Stop, j'ai la réponse. Et c'est Shuriken qui répond. GG. GG Shuriken. C'était 2014. Je pense que je ferai quand même les gens qui ont... Ça me coûtait une blinde, mais c'est pas grave. Les gens qui ont quand même répondu à une question auront quand même quelque chose peut-être. Hein. Je vais... C'est pas grave, hein, de toute façon, on verra bien. Alors, et beaucoup moins, hein, faut pas rêver non plus, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est moi qui offre, hein, c'est pas le serveur. Hein. Donc là, une question assez simple aussi, ça va être très rapide. Question 9. Ah, ouais, ouais. Bah, Iron, je suis désolé, hein, mais... Hop, comment s'appelle la convention ? Exclusivement, voilà, donc là comme j'ai dit c'était super rapide, ça a déjà été fait, hein. C'est MeToo2. GG. Voilà, GG MeToo2. MeToo2. Voilà, et la dernière question. Et la dernière question. Dis Siri, dis-moi les réponses. N'importe quoi, Feriel. Et la dernière question, donc. Juste, hein, les cadeaux, ça sera à la fin. Parce que sinon... Oui, Toto, j'arrive. Hop là. Quelle est la date de naissance de Marcus Pearson, alias Notch? La date entière, hein. Bon, d'accord, que l'année, parce que sinon, parce que tout le monde dit l'année, donc on va faire que l'année. Hein. Alors, je l'ai pas. Il y en a un qui a dit ta mère, Bomban. Et j'ai la réponse, c'est Zephyr. Ou The Fire, je sais pas comment tu sais. GG, The Fire.
Ok, comment c'est? Voilà! C'est truqué, mais oui, bien sûr, c'est truqué. Ouais. Non, c'est juste qu'il y a des mecs qui. Moi, c'est pareil, hein, quand El Blacky faisait les events, j'arrivais à répondre à aucune question parce que je tapais pas assez vite. Je sais pas comment il y en a qui font, mais. Ils peuvent pas avoir d'avance sur les questions. Hein. Surtout que sur TeamSpeak, je l'ai dit après, comme ça, il y a égalité pour tout le monde. Voilà, les gars. À la fin du jump, s'il vous plaît, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, donc le jump, hein, je précise, hein, le jump, il est très long. Hein. Donc bon courage, j'ai mis de l'eau partout et j'ai mis des slime blocks, normalement c'est bon. Le jump, interdit de fly, sinon je banne de l'île, sinon c'est pas marrant. Interdit de fly. Je vois des demandes de TP, hein, donc je dis juste, il y a un warp sur l'île. Sur l'IS. Voilà. Vous êtes prêts? Donc pas de fly, hein, sérieusement. Hein. Jouez le jeu. Hein. Faites directement slash fly, hein, parce que sinon c'est le bordel à chaque fois. Attendez, oula, attendez, il y a du monde qui arrive encore. C'est bon, vous êtes prêts? Ça va être galère au début, hein, mais après. Allez, 3. 2, 1, go! C'est parti! Alors il y a de l'eau, c'est pour pas que vous mouriez, d'accord? J'ai dit pas de fly, c'est bon, c'est pas eux qui fly. Oui, au début ça va être le gros bordel, hein. Après une fois que ça va se dissocier, ça va aller mieux. Non, non, pas obligé de... Non, 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 non. Non, non, pas obligé. Je donne juste après l'event. Alors, qui gagne pour l'instant? Nous avons... Oula! Ah non, c'est... Ok, nous avons Sidrouille qui est premier pour l'instant, avec son pet. Suivi de Gros Bidou qui se démerde bien. Hein. Mais bon, vous allez voir. Ah non, ouais, vous allez voir, vous allez pouvoir tomber très rapidement. Donc je suis Sidrouille pour l'instant. Alors moi j'ai des lags, je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais j'espère pas. Donc je suis Sidrouille, je fais confiance aux autres surveillants. Bon, Sidrouille, t'as de l'avance pour l'instant. Ouf! Bien joué, celui-là il était chaud en plus. Les vagues font. Pourquoi t'as. Je sais pas. Ah, ça fait laguer? L'eau, ça fait laguer? Non. Eh, il est super bon, Cidrouille. Hein. Ah, le courant. Bah écoute. Ouais, mais attendez. Bah, tiens. Salut, Cobra. Est-ce qu'un des deux peut surveiller Sidrouille? Moi je vais. En même temps il a pas le fly, je suis con. Donc je vais virer. Non mais si je vire l'eau aussi c'est mort. Enfin je. Sans vouloir vous. Putain, sérieux Sidrouille, il gère la fougère. Hein. Je sais, c'est une expression de vieux. Belek au ski là, je suis désolé. Slash SB. Expel. Je veux bien virer l'eau, mais vous allez mourir, hein. Alors, je vire l'eau. Alors, enlevez votre stuff. Vu que ça fait laguer. Non? Enlevez l'eau, c'est... Ok, d'accord, ça marche. Je vire l'eau, je vire l'eau, je vire l'eau. Hop. Voilà. Alors, attendez. Hop. Vous avez le temps, hein. Je pense qu'il n'y a personne qui est encore en haut, donc ceux qui m'aident, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des gens qui fly. Impossible à cause des gens, mais oui, mais c'est juste les débuts, hein. C'est vraiment juste le premier jump. Hein. Il y a encore de l'eau, oui, ça arrive, attendez. Voilà. Il y a Feriel qui a cheat. MP moi, Cookie, si c'est ça. Ce sera plus simple, je verrai mieux. Bah,
Bah, ceux qui font pas le jump, hein, je suis désolé, mais enfin, je peux pas savoir qui le fait et qui le fait pas. J'aurais dû prendre de la bouffe en fait, mais j'ai que des pommes de terre, je sais pas si ça vous va. Bah, les gars, sérieux, virez vos pets quand même, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Ah, ou The Fire est super haut, hein, avec Poupoun. Est-ce qu'il y a quelqu'un tout en haut encore? Non, on est d'accord. Mister Pause, d'accord, donc toi tu es juste là pour vérifier, il n'y a pas de problème. Gros bidou premier, hein. Gros bidou est presque en haut. Par contre, j'en ai viré. Ah non, mais comment? Attends, slash SB ban. B machin là. Parce que. SB ban. Ah, attendez, je regarde vite fait. Personne en haut, ok. Bah non mais je sais, après il y en a qui aiment pas les qui aiment pas les fla qui aiment pas les pardon qui aiment pas les j'ai du mal hein. Langage, ouais, bah, langage pour moi aussi hein. Il y en a qui aiment pas les jump hein, mais après voilà, fallait trouver quelque chose aussi. Ah, mais attendez, je suis con en fait, j'ai oublié quelque chose. Slash C quand même. Quand même, voilà, merci. Bah oui. Non mais j'aime le jump, mais là c'est abuser le monde. Bah oui, non mais en fait, plus vous montez, moins il y aura de monde. Après, j'avoue que le jump est super haut, hein. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Bon, de toute façon, ceux qui sont en haut, hein, je sais qu'ils le font pas, donc il n'y a pas de problème. Là pour l'instant, c'est The Fire qui est premier, il est bien remonté. Donc pour l'instant. Ah, il vient de tomber. Il vient de mourir. Je suis désolé. T'as pas fait de banc pour que je regarde? Non, non, il n'y a pas de banc, je suis désolé, j'ai vraiment fait le truc comme ça. Alors, The Metanium, donc, ouais, je vois hein, ceux qui ont fly, hein, faut me dire au pire, hein, mais. Par contre, Seiko, si tu. Oui, bah oui, là t'es tombé, là t'es mort. Si tu virais ta vache, je suis sûr que ça serait plus facile. Au lieu de muter et bannir à l'infini, ouais. Oui, alors donc oui, il y a quelques. Attendez, je vais peut-être en mettre. Hein. Je vais essayer d'en mettre quelques-uns de plus des slime blocks. Comme ça, si vous tombez, essayez d'aller au milieu, d'accord? Oh, non, sur les côtés quand même, je vais faire ça. Voilà, comme ça, si vous tombez sur les slimes. J'en ai pas beaucoup, donc je suis désolé. D'avance. Mais si ça peut vous aider. Voilà, j'en pose un peu partout comme ça. Avec un peu de chance, vous tomberez dessus. Hein, et vous ne mourrez pas. Alors, où est-ce qu'on en est là-haut? Oui, cut. Gros bidou est en tête, ok, d'accord. Là, c'est qui que je vois en. Il y a un mec. Ah, il y a un mec qui a réussi. Putain, GG. Non, c'est bon, c'est fini. Un vainqueur. Bon, vous pouvez fly hein, les autres hein, maintenant. Hein. Alors, gros GG pour Rinua. Non, pas Rinua, pardon, c'est lui qui a été ban. Bref, voilà. Gros GG pour. Voilà. Donc, bah écoutez, alors j'espère que ça vous a plu. Ceux qui aiment pas les jumps, hein, je peux comprendre hein, que vous avez pas aimé. Hein. Attendez, vous voulez que je fasse un truc? Attendez, je vais faire juste un truc. Je vais mettre le warp en haut, d'accord? Comme ça, ceux qui veulent aller voir le truc juste en haut. Hein. Attendez, hop, on dégage ça. Hop, attendez. Je mets le warp en haut. On a parcelle de TP. Ah, en Marcel de TP, ouais, bah c'est pas grave. Non, mais je voilà, je mets le warp en haut comme ça. Slash warp. Voilà, c'est bon. Je crois. Ça marchait? Ouais, c'est bon. TP en. TP en haut dispo. Voilà. Bah, vous pouvez voir d'en haut hein, ce que ça donne quand même. La construction aussi, comment ça a été galère. Bon, le jumping, je l'ai fait en 4-5 heures, mais le plus dur, ça a été de le reproduire, parce que moi, et sauter, c'est. Je suis le jump pourri, 4 salauds.
Et donc, il n'y a pas de trou, on est d'accord, hein, que je fasse pas le con. Non, c'est bon, personne ne peut sortir, hein, vous me rassurez. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres choses, hein. Mon but en fait c'est de faire de faire un Cluedo, genre Mila, c'est-à-dire par équipe de deux, faire des énigmes ou des jumps ou un truc comme ça. Oui, les gains, pardon. Ouais. Bah alors pour les gains par contre, je vais virer tout le monde. Je vais virer tout le monde pour les gains. Je suis en rouge et win. Parce qu'en fait, bah, j'ai utilisé mes blocs pour faire la petite maison, là, pour faire une maison un peu pimp. Donc, faut que je les récupère, c'est con, mais c'est comme ça. Alors, on fait ça. Hop, on fait un is lock. Merci à tous. Merci à tous, vous étiez super nombreux, donc vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Tous ceux qui ont gagné quelque chose, qui ont même répondu à une question, gagneront quelque chose. Hein. C'est pas grand-chose, hein. Mais pour les nouveaux, ils seront déjà contents. Donc voilà. Je vous contacte un par un. Et bah, c'est tout. Et maintenant, tout le monde peut reparler s'ils veulent. Je sais pas comment on fait. Bah, je peux pas en fait. Mais voilà.